I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que ça va bien à la maison. Je suis Nostradaben et pour co-animer cette émission avec moi, j'ai mon ami Jonathan Drapeau, a.k.a. Hot Show Josh Ryan. Comment ça va? Ben, ça va numéro un. Je suis content de te voir, mon mec. Ah, ben moi aussi. T'es en forme, me semble que t'as perdu du poids. Ah, ben ça pose à m'entraîner. Ben oui, Colin, c'est le fun. Hey Ben, c'est une belle autre émission. Ça va être le fun aujourd'hui. Ah oui, ce qu'on va faire avec ça? Je sais pas, mais veux-tu ouvrir ça ou je pars la balle? Parfait. Fait que dans le fond, là... Laisse pas le choix. Ben oui, va. Non, vas-y. WrestleRock Podcast, dans le fond, là, on veut vous présenter ce soir une émission vraiment particulière qui a pour but de sensibiliser, dans le fond, les gens à la lutte professionnelle. Qui s'avère quand même, entre toi et moi, assez dangereuse. Donc, on s'entend. Ah, mal dans le dos, mal dans le cou. On va dans le fond, de l'accident tragique qu'il y a eu, dans le fond, en octobre 1999, dans le combat de lutte qui opposait Darren Drozdov, qu'on connaît bien sous le nom de Puke et de Droz, ouais. Qui affrontait nul autre que D'Lo Brown, suite, dans le fond, à un powerbomb, un sit-down powerbomb. Un run-in powerbomb. C'est ça, ça s'est mal passé. Et puis, depuis ce temps-là, dans le fond, Droz est malheureusement paralysé. Il a recommencé à bouger ses bras, mais tu sais, c'est pas... il n'ira pas courir le marathon, maintenant. Non, c'est ça que je veux dire. Un Spartan race. Là. Exactement. Exact. Alors, commençons par sa naissance. Darren Adrian Drozdov, de son vrai nom, est né le 7 avril 1969 à Mays Landing, dans l'État du New Jersey, mesdames et messieurs. Très athlétique et imposant, Droz, dans le fond, il a commencé à jouer au football au lycée. Puis il jouait comme corps arrière, puis il mesurait comme 6 pieds 3 pouces, 245 livres. Là. C'est quand même une bonne, une bonne pièce. Après un passage à l'Académie militaire de Fort Union en Virginie, il a fréquenté l'Université de Maryland, mais cette fois, il jouait à la position plaqueur défensif pour son équipe de football qui était les Terrapins à l'Université de Maryland. Puis il a terminé ses études universitaires en obtenant un diplôme en justice pénale. Ça veut dire qu'il a pu faire un avocat, genre? Ouais. Exact. Ouais, c'est pas des trous de cul. Là. Quand tu vas à l'université, tu sors de là. Puis, ben, tu sais, je pense, il y en a plusieurs là, qui ont des. Mais Fourly disait pas que c'était un psychologue. Il me semble que t'avais dit ça, maman. Puis il y a aussi Spike Dudley, qui est vraiment, genre, super doué. Puis Charlie House, avant d'être lutteur, il était agent de change. Ben, ouais. Sean Stasiak, c'est un chiropraticien. Oh. Il y en a une couple, là, qu'on. Là, il. Chose de Otunga, là, qui était dans NXT Nexus. Là. Ouais. Le genre de mulot avec sa tasse de café qu'on voyait tout le temps à Raw. Ouais. Lui, c'était un avocat, il me semble. Il y avait la gimmick d'un avocat, mais il me semble que c'était un avocat dans la vraie vie aussi. Ben, tu sais, toi, t'as préféré, là, Dr. D.M.D. Dr. Britt Baker. Ouais, c'est une dentiste. C'est ce qu'on veut, mais c'est une dentiste, tu sais. Mais moi, j'ai tout le temps à maudire, tu sais. La lutte, même si tu gagnes ta vie de ça, il faut quand même que tu aies un autre métier parce que tu ne passeras pas toute ta vie à devenir un lutteur. T'sais, à un moment donné, le corps va te rattraper. Ben, pour Rogan et Ric Flair qui ont lutté jusqu'à Sunday. Juste avant qu'on continue notre émission, je ne sais pas si tu as vu récemment, mais Abdullah the Butcher est en vraiment mauvaise position financièrement. Les hanches, il faut qu'il se fasse remplacer les hanches. Et physiquement, tout ça. Et puis, il disait, justement, c'est important d'avoir des études, pas juste de faire de la lutte, c'est vraiment important parce qu'on sait jamais qu'est-ce que l'avenir peut réserver. Mais il y avait un restaurant, il me semble, là, ça en a fait de côte levée et de. Ça, là, wow.
Oui, il s'est fait avoir, hein, je pense. Dans ce que j'ai lu, il s'est fait frauder, il s'est fait fourrer par... Yes. Donc, pour revenir à nos moutons de M. Drozdov, avant de se lancer dans la lutte professionnelle, Darren Drozdov a été joueur de football professionnel du côté de la NFL durant 3 saisons. Yes. Il a joué avec les Jets de New York, les Eagles de Philadelphie et les Broncos de Denver. Il s'est fait une drôle de réputation et le surnom de Pio qui lui a été attribué lorsqu'il a vomi sur le ballon de football durant un match télévisé du Monday Night. Un article de Sports Illustrated de 93 indiquait qu'il avait vomi à presque tous les matchs durant la saison et qu'il allait consulter un psychiatre pour des problèmes de vomissement. C'est quoi, vominomane? Ouais, ben dans le fond, je ne sais pas si tu te souviens, mais il avait fait un reportage il y a quelques années, Beyond the Mat. Ben, on a 25 ans, genre. Puis on voit comme la décision de Vince McMahon d'engager Pio qui est dans le bureau, nanana. Puis genre, Vince McMahon lui demande « Qu'est-ce que toi, t'es capable de faire de plus que les autres? » Puis là, lui, il dit, tu sais, « Moi, je suis capable de vomir comme n'importe quand. » Fait que là, je sais pas si tu te souviens du fameux « It's gonna puke! Ben » oui, It's gonna puke! Ouais, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Il sort la poubelle, puis là, il... C'est ça, tu sais. Ben, ça a resté pas mal. Mais faut savoir aussi qu'avant de se faire embaucher par la WWF, il a fait une carrière sur le circuit indépendant, puis il a lutté pendant un bref moment, de 97-98, à la ECW. Juste avant d'être embauché, yes. Mais il se prend le puis il a fait une brève carrière d'environ 2 ans à WWF. Joss s'est fait embaucher par la World Wrestling Federation, que je parlais justement juste avant, en 98, où, dans le fond, comme je vous ai dit... Ben, ça résume ce que tu viens de dire, il est vomi dans la poubelle. Puis... D'abord, il a lutté dans les dark matchs à WWF Shotgun, qui se trouvait à être comme le Saturday Night Main Event de l'époque. Si on veut. Il a fait ses débuts à Raw Is War le 25 mai 1998, désolé, en tant qu'associé de Legion of Doom. Il était le troisième membre officieux de l'équipe. Ouais. Et puis, à la fin de 1998, il a participé au tournoi de boxe controversé. Là, je ne sais pas si tu viens du fameux WWF Brawl for All que notre ami PCO avait fait partie. Bart Gunn avait fait partie. Bradshaw avait fait partie. Godfather. Dr. Death. Ils se sont tous fait promettre un push, finalement. Promesse qui n'a pas été tenue. Yes! OK, Drozd fut impliqué dans une storyline en rapport avec l'alcoolisme de Road Warrior Hawk. Dans cette confrontation, Hawk a été vu par Animal comme étant incapable de lutter et Drozd a été chargé de remplacer Hawk. La situation s'est terminée par des accusations selon lesquelles il avait été la cause des problèmes de consommation de Road Warrior Hawk et avait demandé aux membres LOD de prendre sa place dans l'équipe. Lors du Raw du 16 novembre 1998, après que Hawk ait fait une apparition durant le match qui opposait LOD 2000 face à Edge et Gangrel, victoire de ces derniers par des comptes à l'extérieur, bien entendu, on voit clairement que Hawk, qui menaçait de se jeter en bas du Titantron, avait été poussé par Drozd. C'est le monde dans... Ouais. Tu sais, il a l'air de faire genre un affaire de même, mais... Y'a-tu fait exprès, y'a-tu pas fait exprès, c'était-tu voulu, tu sais, c'était controversé. Là. Yes, puis je sais pas si tu te souviens du fameux pay-per-view Capital Carnage de 98 qui était au UK. Là. Ben oui. Animal et Drozd, ils ont affronté les Headbangers. Moi, je suis Thrasher. Yes, durant le combat, Drozd Dove est entré sur le ring pour défendre Animal qui mangeait un move d'équipe illégale des Headbangers. Alors que l'arbitre était occupé à faire sortir Trash Drilling, Mosh a enroulé Drozdov et l'arbitre s'est retourné et a fait le compte de 3. Animal furieux, que Pio, dans le fond, a été piné, a commencé à se battre avec lui avant de quitter l'arène. Mettant ainsi la collaboration de Drozd et LOD, ils ont coupé ça de rette sec là. Après avoir quitté LOD 2000, Darren Drozdov a pratiqué un nouveau personnage qui aimait le body piercing et les tatouages. Ça l'impliquait une série de sketchs intitulée Drozd's World, où il racontait des histoires sur sa carrière de lutteur professionnel. Il a commencé à s'épanouir après avoir viré heel. Drozdov a commencé à construire une stable de lutteurs qui partageait son style de vie bizarre, dont Prince Albert, A-Train, Lord Tenzai. Yes, Matt Bloom. Exactement, qui est l'actuel coach en chef du Performance Center, comme on dit. Yes. S'est ajouté à l'écurie en tant que son artiste de perçage corporel, personnel, et par la suite, qui
qui était connu sous le nom de Vic Grimes, notamment à la ECW, à la XPW, son fameux match contre New Jack, qui sacque le camp en bas de l'échafaud. Là. Yes. Montons un peu. En tant que présumé revendeur de Draws. Avec Albert, il a notamment fait équipe dans le Tag Team Turmoil, match de 6 équipes là, de SummerSlam 99, et ils ont été éliminés en 3e position par Edge Christian. Après, dans le fond, là, il y a eu la fin de carrière suite à une grave blessure, malheureusement. La carrière de Draws s'est terminée à un instant lorsqu'il a subi, comme j'ai dit tantôt, une grave blessure au cou. Suite à un combat à SmackDown contre D'Lo Brown, un combat qui a été enregistré le mardi 5 octobre 1999 à Nassau Coliseum de Long Island, Draws a déclaré qu'il portait une chemise slack pendant le match. Puis lorsque Brown a tenté de faire son powerbomb, il n'a pas été en mesure de le lever suffisamment. Fait que Draws, dans le fond... Il n'a pas été en mesure de swinguer assez haut. Fait que dans le fond, pour laisser celui-ci dans la bonne position pour faire le powerbomb, Draws a tombé sur la nuque et s'est fracturé deux vertèbres dans le cou. Puis a été rapidement transporté d'urgence au centre médical du comté de Nassau, où il a subi plusieurs heures d'opération pour réduire et stabiliser la pression sur son cou qui était blessé. Étant donné que le show a été préenregistré, car à l'époque, SmackDown était enregistré dans le fond le mardi puis était diffusé comme le jeudi. Star, il est live le vendredi. Yes, et il n'a pas été diffusé aux téléspectateurs, une chance que ce n'était pas du live. Cependant, des images de lui en train d'être amené sur une civière ont été vues dans la publicité « Don't try this at home » de la WWE. Oui, « Career ended in an instant ». OK, il faut savoir aussi que même avec des soins médicaux intensifs, sa blessure l'a d'abord laissé tétraplégique durant plusieurs années, avec pratiquement aucun mouvement sous la tête, un peu comme Christopher Reeves, le regretté Superman. Mais depuis quelques années, Draws a retrouvé du mouvement dans le haut de son corps et ses bras. Drozdov a déclaré à plusieurs reprises que sa blessure était un accident et qu'il n'en veut aucunement à D'Lo Brown, que ce dernier s'en est voulu énormément et pensait même à lâcher la lutte. Ben, c'est fou pareil. Hein. Ben, c'est sûr. Puis, dans le fond... on n'entend plus beaucoup parler de Draws, mais on a fait quelques recherches, puis ben, on voulait vous parler un petit peu de sa vie après sa blessure, dans le fond. Draws, il a continué à travailler avec la compagnie de Stamford, la WWE, en tant qu'écrivain et chroniqueur après son accident, et a écrit des articles et des essais pour le contenu du site web de, et des magazines, notamment sa fameuse chronique Draws Two Cents. Ouais, 2001-2002, ces années-là. Ouais. Il est aussi devenu un invité récurrent sur le WWE Byte This, qui est une émission de la Fédération sur Internet commettant ses opinions à propos des talents ou des matchs éventuels. Depuis plusieurs années, il a également écrit des articles avec ses prédictions pour chaque WWE pay-per-view. Nostradadros. Ouais, okay. Drozdov a fait une apparition sur le DVD des Road Warriors en 2005, discutant de son passage avec le groupe en 1998. Il a également été interviewé pour les épisodes de Brawl for All, The Dark Side of the Ring, en 2020, car comme mentionné plus haut, il a participé au tournoi controversé du Brawl for All. Également, il a participé au Dark Side of the Ring sur les Road Warriors, intitulé The Last Ride of the Road Warriors, épisode qui parle notamment des problèmes de drogue et d'alcool du regretté Michael Edstrand, a.k.a. Road Warrior Hawk. Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, mais cette période-là, le 98-99, ils ont comme étiré la sauce au maximum. Ils ont tout fait dans cette période-là de la lutte, tu sais, à un tel point que, tu sais, quand tu regardes tout ça... Ils voulaient rattraper WCW dans les ratings, sais, mais tu sais... Ils ont mis genre des gens en danger. Là. Il y a eu Owen Hart qui est décédé dans cette période-là. C'est une limite, ouais. Il y a eu Draws aussi. Il y a eu des blessures encore, d'autres blessures super importantes. Mais je me souviens de Lita, à un moment donné, qui avait pété. Les Hardy Boys, c'était assez débile ce qu'ils faisaient. Ben oui, c'est ça. Les gens prennent beaucoup de risques. C'est important d'être capable de se lever le lendemain matin et de continuer. On a une vie après tout ça. Fait que c'est super important. C'est des athlètes, les gars. Là, puis... Quand ils disent « essayez pas ça à la maison », du moins, assurez-vous toujours d'être accompagné par des professionnels. C'est comme les cascadeurs un peu ici. Essayez pas ça là, pour le plaisir. Prenez des cours de lutte. Apprenez comment tomber, comment bien faire les moves. C'est important. Exactement. Regardez ce qui est arrivé. Draws, il a paralysé.
Il est paralysé, puis le gars est en shape, puis il savait lutter, là, il savait comment tomber, mais quelqu'un qui... S'il avait pas eu la shape, là, il aurait fait ça un ticu de 100 livres mouillé, il serait mort, là. Ouais, c'est sûr. C'est certain. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu, un peu d'informations. J'espère que ça vous a conscientisé aussi sur... Sensibilisé, oui. Oui, c'est sûr. Sur ce... La réalité de la lutte professionnelle qui peut parfois avoir certains risques. Alors, ben, j'espère que vous avez apprécié. Mon nom est Jonathan Drapeau, aka Ocho Josh Ryan. J'étais avec Benoît Laferrière, aka Estrada Ben. Merci, mon Ben. En tout cas, tu sais, mettons une prédiction pour Draws. Je souhaite qu'un joueur soit capable de remarcher. De remarcher. Ben, oui. Non, je ben, souhaite bien. Il y avait eu à l'époque au Japon, à la fin de la fédération, la FMW, il y avait le grand Hayabusa qui avait tombé suite à une chute sur la tête. Il manquait le Lion Salt. Puis lui aussi, était, il avait paralysé, mais on l'avait revu juste avant sa mort, qui était capable de marcher un peu. Mais bon, on croise nos doigts. Alors, le mot de la fin, mon ami? On se retrouve très bientôt, mesdames et messieurs. L'action ne manquera pas. Au revoir!